Yo les petits potes, c'est Tamar, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien les gars. Aujourd'hui on se retrouve sur un petit gameplay du nouveau Resident Evil Village les gars. Un des jeux que j'attends le plus les gars. Je pense qu'on va avoir de grosses figures les potes. Je vous laisse sur ce petit gameplay. En tout cas, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous invite à vous abonner les gars. Et à me rejoindre sur Twitch les gars, le lien est dans la description. Moi je vous laisse et je vous fais un gros bisou les gars. Ciao, bye bye. C'est parti les gars. C'est parti les petits potes. Oh, ça commence comme ça. Quiconque tente de s'échapper d'ici, j'espère que ce message vous sera utile. Vous ne me connaissez pas, vous devrez me faire confiance si vous voulez survivre. D'abord, il faut vous sortir de cette cellule. Regardez autour de vous, mettez-vous à quatre pattes s'il le faut. Il y a une espèce de type pervers là. Ensuite, cherchez l'objet dont vous aurez besoin pour vous échapper. Il est caché là où on s'y attend le moins. Dans mon cul. Une fois sur une sortie du cachot, vous devriez vous retrouver dans une salle. La porte ne vous conduira pas au salut, mais la lumière vous mettra sur la bonne voie. Si vous êtes dans une impasse, ne baissez pas les bras. Il y a forcément un moyen de progresser caché quelque part. Lorsque vous aurez trouvé l'échelle, il faudra l'emprunter. Mais attention, ne les laissez surtout pas vous voir. De qui tu parles, mon copain? J'ai l'intention de m'échapper ce soir et je prie pour que vous en sortiez vous aussi. Ok, merci, mon pote. J'espère que tu t'en es sorti, mais que je pense que tu vas être séché dans un coin, toi, mon pote. Alors, il y a la clé qui doit être cachée quelque part. Ok mon copain. Salut Maxi Francky. Bienvenue sur le stream mon poteau. Bienvenue, bienvenue. On teste ce petit Resident Evil. On va voir ce que ça donne mec. Est-ce qu'on va faire des petites traces de caca dans le caldé? Peut-être, je pense. Alors. Donc on est ici. Ok mon copain. En plus t'arrives pile pour le début Maxi Francky. Ok, ok. Ok, examiner. Équipement de maintien le bétail en vie. D'accord. Maintien le bétail en vie, donc. C'est peut-être pas bon pour nous, ça, les copains. À mon avis, c'est pas bon pour nous, les gars, ça. Ok. Parfait. Perfecto, mon copain. Alors, attends. Juste fermer un peu le volet, parce que je vois rien, sinon. 7 spectateurs, bienvenue les potos, ça fait plaisir ça. Ça fait plaisir. Hop. Alors on est au tout début les gars de la démo, si vous venez d'arriver, vous avez rien loupé. Je veux juste m'échapper de la prison en fait. Il me faut un truc, donc ok. Donc faut, je pense qu'il faut un pied de biche, une barre de fer, la barre de fer. Il me faut la barre de fer mon poteau. Alors la petite... Ok. What? Putain, il s'en est pas sorti, hein. Putain, Jaline, qu'est-ce que tu fais là, merde? La barre de fer à tout faire, ouais. C'est ça. Ah! Help me, brother. T'as pas besoin de traduire, mec, prends-nous pour les cons. Aide-moi, frère. Ah bah, frère, là, je sais pas pourquoi, elle, je pense qu'elle va se... Alors, soit elle a une de grosses règles, et elle s'est vidée. Quelque chose qui est introduit dans son derche, je sais pas. La barre de fer est peut-être là, hein, d'ailleurs, les gars. Je pense. Ah. Ouais, chaîne encore. Ok, ok. Ah, les trucs de torture, mon petit gars. Aïe, aïe, aïe. Et pourquoi ils me disent morceau de papier? C'est quoi ça? Aïe aïe aïe, mon copain il a plus de jambes. Elle est où? What? Mais
Ouais, mais comment elle a fait pour tomber? Attends, on va revenir sur nos pas pour ouvrir la porte. Ah! Putain, sa mère! Okay. On va essayer d'ouvrir déjà ici. Voilà. Putain, il m'a fait flipper, mon gars. Pour crocheter la serrure, ok, d'accord. Ah d'accord. Le jeu prend en compte mon micro? C'est une blague, c'est pas vrai. Comme non, face ma phobie un petit peu. Donc faut, genre faut pas parler. C'est une personne te suit. Et si tu parles, il te retrouve. Non mais c'est une blague toi. C'est pas vrai. Donnez-nous un signe! Donnez-nous un signe! Oh, mec, je savais pas ça! Putain, c'est chaud! Heureusement que tu me le dis, poteau, parce que je savais pas, moi. C'est quoi ça? Putain, sa mère! Vite! Mets-toi, putain! Ouvrez la porte, les copains! Je vais me planquer. Je... Tant que t'es de base, fais gaffe à ce que tu dis. Et ça roule. Je fasse attention là. C'est chaud, mec. Ça sent terriblement mauvais. Ok, ça roule, mec. Ça roule, mec. T'as, je me suis chié dessus. C'est quoi ce bruit? What? C'est juste à côté les poteaux. Mec, c'est insane. Oh là là, ça fait trop flipper les potes. Mec. Oh. Si j'active le budget, ça va. Danse macabre. Non, tu m'étonnes, toi. Tu m'étonnes la danse macabre, écoute. Ouah, je me suis yège dessus, les gars. Oh putain, c'est insane, ça fait flipper, mec. Oh, petit passage secret, les copains. T'as vu le petit malin?
Eh, hey, Saitama qui fouille, hein, t'as vu les gars? Faut être... De toute façon, faut être filou dans. Dans Resident Evil. Là, il y a une pierre qu'il faut appuyer là. Ok, les gars. Et hier, j'ai pas regardé la démo. Et mets-toi bien. C'est clair, c'est clair. Hier, j'ai pas regardé la démo de Skyros parce que je me suis dit, faut pas que je me spoil, tu vois. Comme ça, au moins, j'ai vraiment la surprise du jeu. Ah! C'était mon premier jour de travail au château aujourd'hui, j'ai été très étonné de constater qu'il n'était habité que par des femmes. La maîtresse et ses fils ont insisté sur le fait qu'elle ne mordait pas. Ouais, chelou déjà. C'était pour le moins étrange, ouais. Cela fait 2 semaines que j'ai commencé à travailler au château et j'ai un peu peur. Une autre servante, Adela, a commis un impair et mademoiselle Daniela lui a tailladé le visage avec un couteau. Ouais, bah normal. Je veux dire, nous quand on était à l'école, c'est comme ça, hein. Regarde pas derrière toi quand t'es dans... Maxi Franky, il va me foutre le chiasse, mec. Et la nuit, j'entends des gémissements comme si des fantômes erraient dans le couloir. Je vais rentrer chez moi. Moi, je serais rentré chez moi depuis un moment. Les jeunes demoiselles se plaignaient qu'il faisait une chaleur étouffante pendant le dîner. Alors j'ai entrouvert la fenêtre, fermé la fenêtre, fermé la immédiatement. M'ont-elles crié à l'unisson. J'ai peur d'être emmené au sous-sol et que l'on ne me revoie plus jamais. Je ne sais pas quoi faire. Ouais, mec, là, faut partir. Hein. Alors, dès que je rentre, faut pas que je regarde derrière moi. Ok. Noté. Bah oui, je me dis. Coup de couteau dans la tronche, normal. Bah non, enfin, je veux dire, nous à l'école, c'était pareil, les gars. Tu faisais pas tes devoirs, on te taillait le visage. Enfin, hein, je veux dire, c'est normal, quoi. Tout à fait logique. Tout à fait logique, les potes. Rien d'étonnant là-dedans. C'est quoi ça? Des chaussures? Ça, ça doit être les chaussures du monsieur qui a plus de jambes, là, à mon avis. Putain, c'est une sacrée baraque, mec. Putain! Là, j'entendais surtout du vent, Maxi. Et j'entends pas de bruit. Bah les gars, au pire on va rester assis ici là, qu'est-ce que vous pensez? Arrête mec, ça se trouve c'est la vieille, ouais. Non les gars, je me mets dans le noir. J'ai encore plus la trouille. Bonjour. Manque un œil. What? Ça me suit du regard? Le tableau? Okay. On doit servir de bétail, un truc comme ça, nous, ça se trouve, les gars. Ah les gars. Je sais pas. Okay. Avant de perdre la batterie les gars, parce que je vais me faire courser. Candidate Irina Miala Loïs
Oh, d'accord. Rejeter. Ok. What? Ah! Ah, c'est le rouge à lèvres. Ah, bah, ah putain, ils ont bu du sang, mec! Arrête, Frankie! Ah, il fait pas chaud dehors, le mec. Arrête! Arrête, Bax. Arrête, arrête. Il va me faire... Arrête, Bax. Arrête, c'est Bax, il fout la chiasse plutôt qu'autre chose, mec. Faut une clé. Faut qu'on trouve la clé, les potes. On va aller fouiller là. J'ai vu qu'il y a une porte. La table, y'a rien. Rien d'intéressant. Là, ah! Ah! Ça, c'est l'œil de la statue. D'accord, ok. Oui, un coup de boulon, quel con. Mancané, ouais, je sais, vas-y. What? Est-ce qu'il faut enlever l'œil de... dans l'inventaire? Ok. Ok, et là on va peut-être trouver la clé. Vérification du château, je remonte à la clé du musée, une procédure de construction pour enrichir l'intensité de saveur du vin et lui conférer un bouquet épais dans la lésine de Sangui. Sangui Virginie signifie sang de vierge. Oh, vas-y. Spécial décoré de fleurs. D'accord, ok. Ok. Sang de vierge, mon gars, ouais, c'est super. Et il va être bon ton vin. Sang de vierge. Y'a rien là-dedans. Y'a rien là-dedans. Ah. Ok, la clé, les gars. Bien joué, mec. Le GG écrasé, ouais, c'est clair, de la tronche. Ça va qu'on est habitué un petit peu à farfouiller un petit peu partout parce que putain, c'est chaud, hein. C'est chaud, les potes, hein. Donc là, on a la clé, les gars. Maintenant qu'on a la clé, mec, on va ouvrir la porte, mais je sens que quand je vais sortir. Je pense que c'est la Vierge, ouais, c'est ça. C'est ça, Mister Tokyo. C'est exactement ça. Je te vois. Qui me voit? T'es où? Who are you? Ah! Putain! Merde! Oh putain! Sa mère! Aïe 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 aïe! Putain, sa mère! Ah non! Oh putain, sa mère! Oh merde! J'ai même poussé la sortie, les gars.
Elle va me ken, j'ai même pas osé la sortie, je me rappelle plus la porte. Ah putain, je vais mourir, c'est sûr mec. C'est sûr. Ah la saloperie. Putain, je me rappelle plus. Oh la vache. A few moments later. Oh putain. Ah putain sa mère. Ouf, c'était chaud les gars. J'ai un peu serré les fesses les potes là. Pourquoi elle est pas venue? Si je ressors, elle va m'attaquer non? Là ça l'ouvre pas mec. Je pense qu'on est à la bonne pièce, ouais. Un passage? Aucun passage. N'hésitez pas à follow les copains si vous voulez en voir plus les potes. N'hésitez pas mes copains, vous serez bienvenus dans le Saita Gang. On fouille un petit peu plus les gars. Qui sera le 170e abonné? Follower, pardon. Donc il y aura un passage les gars. Regarde dans la cheminée. Salut Claude Fox 13. Vas-y je vais essayer vieux. Ah bah attends, il y a une porte les potes. Ouais non mais les gars. Sérieux quoi. Oh mec, on passait devant depuis tout à l'heure. Oh so we finally meet. Aïe, les gars. Merci d'avoir joué à cette démo précommandée. Bah, les gars, celui-là, je vais me le faire, ça c'est sûr.